ravis que tu te sentes mieux. Oui. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus là-bas. Pardonne-moi. C'est drôle. Quand je suis au fourneau, rien ne semble pouvoir me trouver. Elle est où la mission là? Ah, ici. Atreus, mange. En gros, il y aura toujours des chain points. Des chain. Putain, cet accent de merde que j'ai. Des points de sauvegarde. Sur la table, merci. Genre. Là, ça fait une petite famille comme ça. Régalez-vous. Bon appétit, mes amis. Ouais. Je demande à voir. Voilà pour toi. Un repas digne d'un champion. Assez. J'ai dit que nous n'en parlerions plus. Oui. De quoi? Pardon. Je ne pensais pas à mal. Je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est qu'un mot. Un mot qui trouble ton jugement. Alors, tu crois vraiment que ça ne veut rien dire? Après tout ce que Mère nous a fait faire? Tout ce qu'on a vu à Jotunheim? À quoi ça servait? Tu ne te poses pas la question? C'est tous les jours. Mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés. Mais si les géants comptaient sur moi? Quel géant? Moi, je compte sur toi. Ta prudence, ton jugement. Mais... je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant. Et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule chose? Et Atreus, mon fils. Et personne d'autre. C'est bien compris. Oh putain! Ça m'a coupé l'appétit. Pardonne-moi, Kratos. Mes paroles étaient mal choisies. Tu devrais manger. C'est une ancienne coutume. Un rituel quasi quotidien. On va rejouer avec Atreus, tu vas voir. Pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai? Il est ici. Tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée, peut-être même de ta vie. Va dormir. C'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes. Ouais. Super, dormir. C'est une bonne idée. Je suis sincère. Oui. Allez, retourne à Midgard, voir Freya. De ma chambre. Je ne suis plus là. Hey, si on a joué à Atreus une fois, on va forcément le rejouer une autre fois. C'est quoi cette boule là? Ça me stresse, un Bakugan, c'est quoi? Le bois de fer. Une jeune femme. Peut-être la meuf de la bande-annonce à la fin. Sa future femme, peut-être. Tiens, bonjour Atreus. Ah bah oui. Ah bah, qui es-tu toi? Ah bah c'est moi.
Qu'est-ce que... J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je n'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Que se passe-t-il? C'était un masque? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Où suis-je? Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit! Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi! Lamentations de gens insignifiants. On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants! Des souvenirs. Ou plutôt des mauvais. Comme tu veux. Oh. Comme tu veux. Il va se calmer les gremlins ça. Comme tu veux. Tu vas t'arrêter. De base c'est écrit jeune femme. Je sors d'ici. Donc qui est la jeune femme? Bonjour toi. Qui es-tu? Bon mais il s'est suicidé. D'accord. Bon fais pas ça mec hein. Quoique tu rêves donc tu me diras. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Pitié! Pitié, non! Non! Pourquoi ça m'arrive? Il coupe bien mieux que celui de maman. Pitié, arrête! On est dans quel multivers là? C'est quoi cet endroit? Oh. Toudou. Hé, où est-ce que tu vas? Que je te suive? D'accord. On se verra de l'autre côté, c'est ça? Je faisais un rêve très étrange et puis je me suis réveillé ici. Est-ce le bois de fer? Sais-tu comment je suis arrivé là? J'ai rêvé jusqu'ici? Remarque, ça ne peut être que ça, puisque je suis là. Ah, vous me le diriez si vous vouliez me manger. Bon, pas spécialement, je crois que tu le sentirais. Ah bah c'est Jutsu Name ça. Il y a eu la montagne derrière, j'ai vu. Je l'ai pas encore terminé. Ah bah c'est elle la meuf. La peinture provient de l'écorce des arbres du bois de fer. Elle absorbe les souvenirs de la forêt, ainsi la peinture s'en souvient elle aussi. Des souvenirs du passé. Hein? Ou du futur. Attends. Je n'aimerais pas le tacher de sang. Est-ce que c'est un rêve ou pas cette merde là? Oh, c'est vraiment toi? Tu sais qui je suis?
Qu'y a-t-il ? Je crois que j'ai attendu ce moment toute ma vie. Tu es plus étrange que je l'imaginais. Oh. Excuse-moi. J'ai été blessante. Un peu. Quelle idiote. Je suis déjà en train de tout gâcher. C'est que tu es la première personne à qui je parle depuis vraiment très longtemps, tu vois. Et étrange, ça peut être bien. Merci. Recommençons. Je suis Anger Boda. Tu dois avoir beaucoup de questions. Oui. Où sommes-nous exactement ? Tu auras les réponses que tu cherches. Anger Boda, je sais pas si enfin, j'ai bien lu ce nom-là sur... sur internet, mais je crois que c'est censé être quand tu dis que tu me connais, bah, sa femme. Je te l'ai dit. Tu auras les réponses que tu cherches, Loki. Oui. Ce n'est pas... Tu vois, m'appelle Loki en mode si. Elle me connaît sous le nom de Loki. Nom. Et je crois que c'est. Enfin, si mes souvenirs sont bons, genre Anger Boda là. Bah, c'est la mère du Serpent Monde, de Fenrir et de Elle. Elle, H-E-L. Donc on a trois enfants avec Elle, je crois. Dans la mythologie grecque, nordique, je parle. Si c'est bien ce nom-là que j'ai eu. Je vais me débrouiller. Alors, où suis-je exactement ? Il y avait cette brume étrange. Oh, on dit que Lutin de Garde peut être déstabilisant. Mais tu ne crains rien dans le bois de fer. Et tu fais quoi ici ? Je peins, je furette, je survis, je préserve ce que je peux. Mais pourquoi tu m'attends, moi ? Parce que c'est mon destin de te révéler le tien. D'accord. Bah vas-y. Attention ! Qui est Alpha ? Ça va, Pikachu, hein ? Merci. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici ? Je survivais à Fimbulwetter. Hé, est-ce que ça existe ici ? Tu sais ce que c'est ? Bien sûr. Boule. Je te tiens. Merci. Je me suis pas encore fait à ce nouvel environnement. Où est-ce qu'on va ? Ma mère a consigné ses visions, ses prophéties. J'ai pensé que t'aimerais les voir. Où sont tes parents ? Ils sont pas là. Est-ce qu'ils sont... Hey, je sais que t'as beaucoup de questions, mais pas celle-là. D'accord ? Désolé. Loki ! Ah. Je m'en occupe. Bonjour. En combo avec elle. Boum. Tu te défends bien. Comme un champion, je dirais. Merci. Toi aussi. Médaillon de Iti. On fait la course ? Quoi ? Partez ! Oh, ok ! Faut que j'aille la course ou je me fais foutre ? Je peux ralentir ? T'inquiète, hein. Le jeu est scripté. Hein. Oh,
C'est doublé là, non? Tu m'as battu. Oui, mais je connaissais déjà le chemin. C'est un peu de la triche. Bah, je viens de le dire. J'espère bien. Ici. Ah bon, bon. Tola. Ce ne serait pas de la magie vanne? De qui tu crois qu'ils la tiennent? Nous y sommes. C'est ici que tu vis? Par ici. Putain, toutes les fraises qu'il y a. Bon, il n'y en a que 3, remarque, en vrai. 1, 2, 3, ouais. Bon, ça va. Eh, hey, mais c'est ma fresque. Je voulais justement la revoir. Ah bon? Et celle-là, là? Pour beaucoup de géants, il y a une certaine beauté à découvrir sa voie et à la suivre. Bien sûr, d'autres voient leur avenir et en sortent bouleversés. Ah, c'est la fresque de la fin du jeu précédent, là? Ça a rien à voir. T'es prêt? Oui, je suis prêt. En gros, cette meuf a l'air de lire l'avenir et le présent, j'ai l'impression. J'ai déjà vu ça. Où les cendres de mer sont dispersées. C'était sur un mur. Tout était déjà arrivé, exactement comme prévu. Mais cette partie était abîmée. Oh, c'est nous. Qu'y a-t-il dans le sac? Je me demande qui il est. Attends. Oh. Il y a tort là. Oh là! Ah voilà, c'est ça qu'on avait vu. Non! Ça ne va pas. Ça peut pas être vrai. Parce qu'il y a tort à côté là. Non, non, non! Odin, Atreus. Non, c'est pas réel. Le bois de fer n'est pas réel. Lutin de garde non plus. Rien de tout ça existe! Ah oh là! Wow, wow, tout va bien. Tout va bien. Hey, ça va aller. Tout va bien se passer. Hey, regarde-moi. Hey, calme-toi. Respire. Ça va. Respire. Ça va. Tout va bien. Désolée. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, ne t'inquiète pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça? Ça arrive à tout le monde. Pas le côté loup, mais avoir peur ouais. De son propre avenir. Ça peut pas être mon avenir. On voit que je sers Odin et que mon père meurt. Et ça, c'est impossible. Si c'est même le seul déroulement possible. Plus vite tu l'acceptes, mieux c'est. Désolée, c'était indélicat. Écoute. Essaie de ne plus y penser pour l'instant. Oublie ton avenir. Oublie Loki. Tu es un géant. Et à l'évidence, tu développes des pouvoirs que tu ne comprends pas encore. Marchons un peu. Tu peux m'aider dans mes tâches et je peux t'apprendre des trucs sur les géants. Allez, viens.
Maintenant, le truc, c'est que là, on va dire qu'on a déjà une fin préécrite. On pourrait déjà se donner une idée de comment le jeu se finit. Donc, soit le jeu est très malin et ils vont quand même dans ce sens-là, c'est-à-dire Kratos meurt, ça se passe comme dans la fresque. Ou soit bah, ça fait forcément le truc de jeu, de héros, de d'histoire, quoi, où genre ils vont réussir à modifier un truc pour que ça aille dans le bon sens, on va dire. Mais dans les deux cas, c'est. Ça marche, quoi. Loki, j'aurais besoin de ton aide. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est ? Tiens, suis-moi. Où est-ce qu'on va ? Nous allons chercher à manger, planter des graines, toutes mes tâches quotidiennes. Mais d'abord, okay. Je dois te présenter quelqu'un. Loki, je te présente Yala. Salut Yala. Ravi de te rencontrer. Ok. Oh, wow, c'est une belle bête, hein? Ouais, mais j'ai pas envie de me prendre ses cornes, je te le dis quand même. Allez, monte! Tout doux. Ganga. Andale. Donc, tu es sans doute au courant pour le champion des... Yotna? Oui. Est-ce que tu préfères que je t'appelle comme ça? Non, je préfère Loki. Ah ah, en voilà un. Cueillons-le. C'est pour qui? Ah, ce truc là-haut, là. Mange, non? C'est la première fois que je vois ces fruits. Ce sont des vers bulbes. Ma mère m'en faisait manger un par jour. Pour la force. Par contre, leur goût est atroce. Ça a marché, on dirait. On devrait peut-être parler de ce que tu as vu sur la fresque murale. Ce que j'ai vu n'arrivera pas. Je m'allierai pas à Odin si je devais perdre mon père. Ouais. S'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que ses prémonitions ont tendance à se réaliser, d'une façon ou d'une autre. Ah, merde. Mon père m'a appris à fermer mon cœur à la douleur. Mais je peux pas. Pas cette fois. Et bah tu tues tort, et puis voilà. C'est pas chier. C'est trop. On s'en tape, tu nages. Là il est par rapport aux fruits, d'accord. Je croyais que tu voulais aller là-bas. Tu sais, peut-être qu'Odin voulait t'utiliser. Ou alors, ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est peut-être moi qui me sers d'Odin. Oh, tu maîtrises l'art de la ruse. T'es un blaireau, mec. Père, plusieurs fois. Ah, un maître du subterfuge. Dis, si j'ai besoin de, disons, réparer mon arc, je peux... J'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire à outils, de ce côté. Tant que j'y pense, il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Retrouve-moi auprès d'Yala quand tu voudras y aller. Est-ce que c'est une autre de tes peintures? Elle est jolie. Ouais, j'ai fait mieux. C'est pas la meilleure. Moi, elle me plaît. Oh, c'est mignon, ça. Et maintenant? Bon, ensuite, je cueille généralement les mandracines que je mélange avec. Enfin, à moins que tu veuilles toujours partir. Non, je peux rester. Je veux rester. Bah, allez, on y va. Hein? Il y a des racines par ici. Je m'occupe de celle-là, il y en a une autre plus loin. Ne prends que ce dont tu as besoin, tu vois? C'est-à-dire? Tu n'as pas besoin de ça, les racines se détachent toutes seules. Voilà, prends-en juste un petit bout. Tu tournes et tu tires. Comme ça? Exactement. On arrive! On arrive! D'autres racines par ici. C'est quoi le but? C'est de faire un pot-au-feu? C'est quoi le bail là? Elle ne m'aime vraiment pas, hein? Mais si, seulement, à part moi, la seule autre personne qu'elle ait connue n'est.
Droger, sur la crête. Bon, enfin. Trop bien ça! Tout va bien? C'est bizarre, quand je me change... Je perds tout contrôle. Est-ce si dérangeant? Au moins, il y a des racines ici. Ramasse-en pendant qu'on cherche une sortie. Pas de couteau, tu te souviens? Oh. Oui. Wow. Attends. Elle est là, sortie. De tirer sur des racines. Ce n'est pas ta faute. Tiens, on dirait qu'un passage s'est ouvert de ce côté. Rattrapons vite Yala avant que d'autres n'arrivent. Tout va bien. Et toi, comment alors, t'as réussi à être en haut, toi? Seulement... de la colère. Une part de toi a libéré le loup avec cette colère. Peut-être dois-tu trouver la part qui le guidera. Comment? Tu peux combattre avec toutes sortes d'émotions dans le cœur, pas seulement la rage. Si la rage le fait sortir, une autre peut t'aider à être toi. Où il va, ce pont? Attends. Oh, oh. Tu trouves ça drôle? À vous. Peut-être. On est rentré. Oui. Ouais, déjà. Allons déposer ces racines dans le seau plus loin à gauche. Ensuite, j'aurai une dernière chose à te montrer. Tout va bien? Oui, mais... on devrait retourner du côté de l'eau. Par ici. Tu vas pas me dire qu'il va falloir prendre des pommes maintenant? Je sais pas. Réparer des choses? Oui. Ouais, bah tu fais chier. Bon. Par ici. Nous arrivons à la vallée des disparus. Leur est-il arrivé? Ils étaient là de vivre dans la peur d'Asgard. Alors, ils se sont cachés. Nous, on était là-bas, je crois, pour déposer les cendres de notre mère. Où se cache-t-il? Tu verras. Tu verras, tu verras. Fais chier. Ça ira. Waouh, un caillou. Avec un sachet. Oh, d'autres billes? Quoi? T'en as déjà vu? Pas celle-là, mais j'en ai trouvé à Midgard. Où ça? Dans les fresques de ta mère. Oh, mais alors... il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Il y a vraiment des Bakugan. Et attention. Bah oui, connard, hein. C'est un malade, lui. J'aurais mis une baffe, moi. Pas là. Des géants. Elles sont à des géants. Elles sont les géants. C'est ce qu'il me semblait. Vous avez le choix.
rester à Jotunheim. À attendre qu'Odin trouve un moyen de les exterminer. Ou se cacher. Ah. Mon père les a aidés à insuffler leurs âmes dans ces billes. Et avant sa mort, il me les a confiés. Ah putain. Dans ces billes. Ils sont en paix. Maintenant, tu en as la responsabilité. Hein ? Tu es sûr ? Eh bien, ma mère a vu ça. Ah d'accord. Tu es censé savoir quoi en faire le moment venu. Bah, il va les libérer. Oui, mais quand ? Je n'en sais rien. En mode dernière bataille, quoi. Ce serait beau. Rentrons. Attends, mais ça se trouve, sa mère, c'est... elle est dans une vie, sa mère ça... Non, c'est pas possible. Vrai. Elle est morte, sa mère. Et c'est la tienne. Hé, hey, tout va bien ? Oui. Oui, non, juste, j'ai fini. En fait... Maintenant que je te les ai donnés, je n'ai plus de rôle à jouer. C'est terminé. Tu pourrais venir avec moi ? On affronterait Odin ensemble. Si j'étais censé combattre à tes côtés, je ne disparaîtrais pas au beau milieu de ta fresque pourrie. Je comprends. Mais... mieux vaut ne pas les séparer. Tu ne crois pas ? Allez, avance. Le plus haut pic des royaumes. La seule fois où je suis allé à Jotunheim, c'était avec mon père. Tu connais les doigts du géant ? J'y ai répandu les cendres de ma mère. Ça me paraît tellement... Hé, hey, c'est pas parce qu'il y a cette fresque débile que ton histoire doit s'arrêter là. Je sais, enfin, ouais. J'ai des projets seulement. Pour la partie des géants, c'est terminé. Oh, je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir ? Certains. En rêve. Hé, hey, oui. J'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor ? Et c'est arrivé. Ouais. Il est venu chez nous. Quoi ? Vraiment ? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais. Un peu. Qu'est-ce que c'est ? Quoi, les lucioles ? C'est dangereux ? T'es adorable. C'est joli ? Oui. On arrive juste à temps. Pourquoi ? Oh, waouh ! Je sais que ça a pu être... étrange, de bien des façons. Mais... je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. Il fallait que je bouge le joystick. Après, si c'est comme ça pendant 20 minutes. Je peux venir te voir quand je veux. D'accord ? Quand ? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire, après le Ragnarok ? Oui. Bien sûr. Je crois que je ne serai pas débordée. Inch'Allah. Ma grande, tu peux y arriver. Il y a quoi en haut ? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment doué. Essaierais-tu de me réconforter ? Oui. Ça fonctionne ? Redemande-moi dans... Mais... C'est pas trop tôt.
que... Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon sang. Qui était-ce? Grilla. Elle. Non. Grilla. Que lui est-il arrivé? Je ne sens... rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit? Que vas-tu faire? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Si nous rencontrons Grilla, ne fais rien de trop radical, s'il te plaît. Pourquoi? C'est ma grand-mère. Quoi? Elle a toujours été ainsi. Quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin, elle a... changé. Est-ce que beaucoup de géants ont vécu ici, au fil du temps? Tu t'interroges sur ta mère. Elle a vécu une vie entière avant de m'avoir. Et j'en ignore tous les détails. Je regrette. Je ne sais rien à son sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. Lata, file! C'est la maison de Grilla. Ah. Pas de lumière. Elle doit être allée relever ses pièges, mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Elle a d'être assez chelou, ta grand-mère, là. Il y a une autre entrée, là-haut. Nous devons trouver un moyen d'y arriver. Par là déjà. Grilla est toujours dehors. Waouh, tout est tellement grand. Où est le loup? Il y a une porte menant au sous-sol ici. Elle y enferme peut-être les animaux. La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki. Hé, connais mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Elle est grosse ta clé là. Elle est grande ta grand-mère ou c'est moi là? Presque. Ça y est. Elle doit faire des trucs chelous là, avec les animaux. En plus, on dirait qu'elle est grande, sa grand-mère, vu la taille de la pièce. Ah. Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. C'est un anaconda aussi. Hein. Pas grave. Hein. Tiens ça. Qu'est-ce que tu... Y a pas un géant que tu aimais... pas trop? Quoi? Hein? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... ils ne peuvent pas rester cachés, non?
Faut pas laisser mourir comme ça. Qu'est-ce qu'il veut faire encore? Tu es sûr? Non. Mais fais pas alors, connard. Et là, bim, création du serpent monde. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble. Vecchia. Vecchia. Ça a marché? J'en sais rien. Tiens. Quoi? T'abandonnes déjà? C'est ta responsabilité. Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste qu'il vaut mieux que tu les gardes. Boom. Je m'appelle Atreus. D'accord. Yo tout le monde, désolé, je vous coupe un petit peu dans l'élan du gameplay, mais j'ai une chose très importante à dire par rapport à ce qui va suivre. En fait, je vous explique, quand j'ai voulu monter cet épisode, ben, j'ai remarqué qu'à partir de ce moment-là, dans la maison de la grand-mère de Angur Boda, et encore peut-être 20 minutes plus tard, j'ai tout simplement pas les rushs, donc il y a eu un petit bug où j'ai peut-être dû oublier, je sais pas, bref, je les ai pas, ça me fait chier. Et du coup, j'ai pris le gameplay d'une autre personne, donc j'ai fait un montage, etc., pour qu'au final, en fait, il n'y a pas la voix, il n'y a pas de voix de micro, etc., mais il y a un petit peu de gameplay et il y a les cinématiques, parce que comme je crois qu'il y a un quart d'heure en tout, de très important, où il y a peut-être 10 minutes de cinématiques, etc., c'est vraiment hyper important, c'est pour ça que j'ai quand même voulu le mettre dans cet épisode. Et du coup, vous allez le voir, hein, le contour de l'écran, enfin dans les coins de l'écran, vous verrez, il y a des petites formes que j'ai fait exprès pour dire qu'en gros, bah, c'est là où il n'y a pas de micro. Et de toute façon, ça va finir cet épisode normalement. Du coup, nous, on se dit à tout de suite pour le prochain épisode qui suivra celui-ci. Repartons. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venu. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Nous devons fermer la porte. J'arrive. On peut le croire. Cache-toi. Arrête de gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Non. Mais elle va le tuer. Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais, tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'envierai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire des âmes.
Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi? Non. Mais on peut pas rester caché là. Vas-y. Hé, hey, grand-mère! Tu étais prévenue! Je t'avais interdit de revenir! Cause toujours, regarde-moi! Il y a tant de choses que j'ai oubliées, mais tu refuses d'en faire partie! Les choses pourraient se passer autrement. Si le Ragnarok approche, ne préfères-tu pas qu'on l'affronte ensemble? Qu'est-ce que le destin ne t'a jamais apporté? Le destin de ta mère de nous quitter si tôt! Et celui de ton père de quitter cette sorte! Oh, mais. Tu n'es pas venu seul? Loki! Loki! Sortez de chez moi! Par ici, suis-moi, par ici. C'est ça, courez! Là, il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser? Où es-tu? Où es-tu resté avec tes pointures, gamine? Tu seras par toucher les rues sur son chaudron. Non, attaque le chaudron. Non, pas tant. Vise le chaudron. Non, non, arrête. J'aurais dû te jeter en pâture au loup, après t'avoir tiré du ventre de ta mère! Va-t'en! Mais je... Fiche le camp! Non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi. Pas même Loki. Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire. Il sera trop occupé à pleurer son père. Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents. Tu es sûre qu'on fait bien de la laisser ici? Si jamais elle venait te chercher... Elle me laissait à manger avant. Quoi? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi, mais... Parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule en avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher? Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois. Une course, allez! Je sais ce que t'essaies de faire. Tu prendrais ta revanche sur la et dernière j'apprécie, fois. J'apprécie. La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Ah, il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire.
Alors prouve-le-moi. 1, 2, 3, partez. Allez. Alors, tu viens ou pas? Allez, allez, allez. Ton renard? Oh non, tu triches! Attention au virage! Ce chant sent toujours merveilleusement bon. Non, je ne crois pas! On y est presque! Hop! J'ai dû me donner au maximum cette fois. Te donner? Tu étais sur un renard magique? Loki, Atreus, merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Je suis obligé de partir? Uniquement si tu le souhaites. La prophétie ne précise pas quand tu dois partir. Tu n'y crois toujours pas, hein? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide? Je pense que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Lofey. Ma mère? J'aimerais qu'il ne soit pas vide. Mais... je sais ce que ça fait... de perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... tu as encore le temps de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... j'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne sais pas. Je te l'ai dit, quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Mais je peux pas laisser mon père mourir. Faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux et serre-la fort dans ta main. Ne la lâche surtout pas. Ta maison
Visualise-la. Et répète le mot. Maison. 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 Comme ça ?